Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelien, sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi, deux représentants de la société Microsoft, Frédéric Hartz, bonjour. Bonjour. Donc, qui est directeur stratégique interopérabilité, sujet intéressant. Oui. Et Alfonso Castro, donc, qui est, bonjour. Bonjour. Qui est directeur des partenariats stratégiques Microsoft EMEA. Hein. Alors, deux personnes aujourd'hui, il y a un petit passage de flambeau, on va dire, symbolique aujourd'hui chez Microsoft sur Solutions Linux. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, absolument. Je commence. Donc moi, je prends nouvellement mon job chez Microsoft sur le sujet, marquant les empreintes d'Alfonso Castro, mm-hmm. et aussi marquant aussi un prolongement dans tout ce qu'on a pu faire au niveau de l'open source. Donc sur la base de ce qu'on a déjà fait, regarder vers l'avenir, vers les applications et le cloud. Très bien. Et donc, pour ma part, effectivement, voilà. J'ai le plaisir de passer ce témoin à Frédéric après 4 ans en charge donc de l'interopérabilité pour Microsoft France. Mais je continue dans l'open source. D'accord. J'en profite pour passer un message. On peut réussir une carrière, en tout cas la prolonger chez Microsoft en faisant que de l'open source. Ben, ma foi. Ce sont des choses qui fonctionnent. Et donc, effectivement, je vais passer à un niveau européen sur un sujet un peu moins large que celui que prend Frédéric, mais un petit peu plus pointu. D'accord, très bien. Alors, quelle est un petit peu l'actualité aujourd'hui chez Microsoft quand on parle d'interopérabilité ? Quelles sont un petit peu les dernières nouvelles sur ce front-là ? On est de plus en plus, au-delà de l'interopérabilité, sur une intégration native de l'ensemble des composantes open source, mm-hmm. Que ce soit au niveau de l'operating system, puisqu'on a annoncé il y a une semaine maintenant Linux dans le cloud Microsoft, mm-hmm. Mais aussi le support natif d'un ensemble des couches applicatives, web notamment, avec PHP, Drupal, etc., qui sont intégrées directement maintenant, avec une expérience développement traditionnelle, je dirais, en termes de productivité chez Microsoft, où l'open source fait vraiment nativement maintenant partie de notre offre dès les lancements. Donc au niveau de l'offre, quand on parle de Linux dans le cloud, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser des distributions GNU Linux dans Windows Azure. Absolument. C'est héberger des machines virtuelles. Absolument. D'accord. C'est une ouverture d'une offre IaaS dans le cloud et dans notre stratégie cloud, qui est une stratégie PaaS. Et ouverte à la fois à nos applications, puisqu'on va retrouver Windows Server, SharePoint Server et SQL Server, mais aussi l'ensemble des distributions Linux qu'on a pu mettre en place avec nos partenaires, donc CentOS, SUSE, j'en oublie une, Ubuntu. Exactement. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de mettre peut-être ça en perspective par rapport à notre histoire Linux. Oui. En fait, on a commencé à travailler sur le sujet aux alentours des années 2006, lors des accords avec Novell. Ensuite, on a fait en sorte que Linux soit parfaitement intégré donc à Hyper-V, de manière donc à ce que sur Windows Server, on puisse faire tourner simultanément et Windows Server et Linux. On a continué cela donc avec une contribution au noyau, puisque aujourd'hui Microsoft contribue au noyau Linux, pour justement permettre à n'importe quelle distribution, par le biais des codes sources donc, eh bien de profiter là encore de cette virtualisation. Et toujours au travers des accords donc, que l'on avait avec Novell à l'époque, donc, qui est devenu SUSE, nous offrons également des services de support technique sur ces plateformes de plateforme Linux, typiquement sur Red Hat, sur SUSE, sur CentOS. Et là, la dernière pierre, effectivement, toujours donc dans ce prolongement, c'est la disponibilité de Linux sur le cloud, le cloud public de Microsoft, qui est Windows Azure. Donc vous voyez que le paysage, petit à petit, se complète, tout ça avec une parfaite cohérence, une parfaite continuité, qui fait que c'est un sujet sur lequel on approfondit de jour en jour et on fait en sorte d'offrir de plus en plus de services à nos clients. Alors, si Microsoft avance sur ce terrain-là, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Aujourd'hui, quels sont les éléments clés, je dirais, de cet intérêt pour Microsoft d'intégrer ces solutions open source ? Alors, l'intérêt et les enjeux partagés, si je puis dire, c'est une extrême maturité maintenant de l'industrie de l'open source, et avec des enjeux qui sont d'un côté les applications, donc comment avoir davantage d'applications au service de nos clients, et donc absolument l'intégration de l'environnement des développements des applications open source est clé là-dedans. Et puis l'autre enjeu, c'est le cloud, qu'il soit privé, hybride ou public. Ça, c'est un enjeu que l'on a et sur lequel il est absolument indispensable d'embarquer tout l'écosystème open source, le mot est prononcé. Quelque part sur ce plan-là, on va dire que Microsoft se positionne comme un fournisseur de services, en fait, plus tellement comme un éditeur, parce que je dirais, quand on pense Microsoft, on pense à l'éditeur de logiciels. C'est un nouveau métier, quelque part, qui s'est ouvert chez Microsoft. Oui, c'est toujours de la fourniture de logiciels, soit on-premise, comme on dit dans notre jargon, soit sous forme de service.
D'accord. Oui, on peut le voir comme ça, effectivement. C'est un nouveau métier. On n'abandonne pas l'ancien. Hein, au contraire, on continue toujours à énormément investir, vous le savez, sur nos technologies. Mais on le fait par rapport donc, à des technologies, donc une fois de plus les nôtres, qui sont de plus en plus ouvertes par rapport donc, à des technologies tierces. On vient de parler Linux. C'est le cas sur bien d'autres technologies open source. On prend en compte le fait que chez nos clients, l'hétérogénéité est partout et qu'elle va... probablement continuer à se développer. Et effectivement, le cloud en est un exemple extrêmement frappant. Donc, continuité par rapport à l'ancien métier, mais oui, nouveau métier en matière de service. D'accord. On a vu aussi une annonce concernant Skype, bon, qui est une nouvelle version, je dirais, beaucoup plus récente, qui a été mise à disposition pour Linux aussi. Donc, Microsoft, quelque part, fait des logiciels pour Linux. Alors maintenant, on peut dire, osons le dire. Osons le dire sur cette composante-là, très clairement. Après le rachat de Skype, il y avait visiblement et très clairement un besoin de ce côté-là. On s'y inscrit pleinement. À chaque fois, de toute manière, le besoin de l'utilisateur, le besoin de ce qu'on entend de nos clients est absolument structurant dans ce qu'on peut proposser. Donc si le client veut de l'open source, Microsoft lui donnera de l'open source. Ou en tout cas, Microsoft fera en sorte que l'open source soit bien intégré sur les plateformes Microsoft. Mais en gardant tout de même une stratégie entreprise qui est résolument commerciale. Mm-hmm. Il faut pas non plus mal interpréter nos propos. L'open source, ça peut être commercial aussi. Hein. C'est oui, très commercial même. Tout à fait, voilà. Mais nous, on garde notre modèle de licence habituel, en tout cas pour la partie éditeur. La partie service, on passe évidemment dans un business model qui, lui, est basé sur des services sur le web. Mais par rapport à l'open source, on fait en sorte d'accueillir l'open source au mieux. Nous-mêmes, nous produisons du code en open source, mais la stratégie de l'entreprise, elle n'a pas changé. Il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Il faut toujours rester très clair. Et vous le disiez, c'est une industrie, il y a un business autour de l'open source. Faisons du business sur nos plateformes. Très bien. Alfonso, Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alfonso, bonne continuation. Frédéric, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc on se retrouvera peut-être l'année prochaine. Très vraisemblablement. Voilà. Merci et à bientôt quand même. À bientôt quand même, oui. Oui, il va rester dans les parages. Ouais. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.